Hey tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, avant de commencer cette vidéo, voilà, je voulais juste vous dire que j'avais déjà posté cette vidéo, mais je l'ai supprimée et là je vais la refaire. Simplement parce que j'avais pas remarqué mon niveau du montage, genre tout était décalé, enfin c'était n'importe quoi. Donc, je me suis dit autant la refaire, voilà, y a pas de souci, je vais la refaire tranquille, mais on peut pas laisser ça quoi, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je vais la refaire. Donc, tout simplement, cette vidéo ça va être les différents statuts de DMSP. Donc, qu'est-ce que c'est un statut? Je pense que vous savez tous ce que c'est. C'est un que fais-tu, enfin le petit message que vous mettez genre en bio, enfin voilà, vous avez compris. Et donc tout simplement cette vidéo est encore une fois une vidéo à prendre au second degré. Donc vous risquez sûrement de vous reconnaître vous et vos amis dans cette vidéo. Moi perso je me reconnais plusieurs fois, mais bien sûr vous vous reconnaissez, mais c'est exagéré, vous voyez ou pas? Voilà, donc je vous laisse avec la suite et c'est parti. On va commencer avec la personne, je dirais un peu profiteuse, qui réclame toujours des trucs. La tête de ma mère, c'est trop chiant. Bon alors, ouais, c'est la S chez moi. Du coup, là, je vais tout de suite demander des cadeaux. Voilà, cadeaux. Même si ça s'écrit pas comme ça, c'est pas grave. D'ailleurs, je vais demander aussi des autos parce que mes fames, c'est pas ça, quoi, niveau 3. Voilà. Flemme de dire s'il vous plaît, aussi, on s'en fout. A few moments later. Bon bah, comme il n'y a personne qui m'aide, bah, salut aussi, comme ça j'aurai les fames, les stars en même temps. Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai pas d'amis. Arrête la drogue! Il y a aussi celle qui est un peu chiante, genre qui se plaint tout le temps. Mais vous avez déjà vu des gens sur MSP qui se plaignent tout le temps de tout et n'importe quoi. Et c'est trop chiant ça aussi. Bon, franchement, ça me cave. Personne m'aide. J'en peux plus, personne m'aide, sa mère. J'en ai marre. En plus, MSP, c'est nul. C'est trop nul, putain. Mais qui a inventé ce jeu de merde? Sa mère, ça me saoule. C'est bon, j'ai arrêté MSP là, allez, bye. Après, ça, c'est marrant, mais aussi, on peut voir sur MSP des gens qui se prennent pour des philosophes, là, vous voyez, qui écrivent des petites citations philosophiques, attention. Bon, c'est bon, je me suis trop affichée, il faut que j'aie l'air un peu intelligente. Donc, on va mettre une petite citation philosophique. La vie est un long fleuve tranquille. Tiens, je vais en mettre une deuxième parce que celle-là, elle était un peu nulle. Alors, dans la vengeance, la femme est plus... merde, c'est quoi déjà? Est plus barbare que l'homme. Ah oui, c'est vrai. Je suis sûre que vous avez tous connu ça dans vos amis ou dans vos entourages ou même vous des fois. Il y en a qui veulent se télétide. Mais finalement... Ok, c'est fini. C'est vraiment fini pour de bon. C'est mon heure. C'est mon heure de fin. Je ne retiens aucun message. C'est pas grave, je ne suis inutile sur ce monde. Je suis trop triste, mais c'est fini. Bon, allez, je vais me détendre. A few moments later. Finalement, je reviens parce que ça servait à rien vraiment. Et en fait, j'aime MSP, j'adore MSP, je ne quitterai jamais. Merde, j'ai juste écrit finalement. Finalement, je reviens. Je pense qu'ils vont tous sauter de joie, ça c'est sûr. Il y en aura toujours au moins un qui se fait pirater tout le temps sur ça, sur tous ses comptes, voilà. Bon, maintenant il y en a marre, il faut qu'il sache la vérité sur Anna BG du 18. Anna BG du 18 est une pirateuse. Elle m'a piratée. C'est horrible. Il y en a marre. Ah là, si je la crois, c'est là. Bloquez-la tous. Sinon, elle va vous piratez! En plus, elle a piraté ma petite sœur. Et ma grand-mère. Bon, j'avoue, pour ma grand-mère, j'ai un peu exagéré. Mais au moins, il y aura plus des gens qui la bloqueront. Et elle l'aura dans le cul, cette petite. Le prochain, on va dire, c'est un peu moi. Celui qui bug H24 et qui active toujours son anti-bug. C'est toujours moi, ça.
Je bug trop de ouf, donc je vais activer mon anti-bug. Voilà, je bug les amis. J'active mon anti-bug. Bon, c'est vrai que j'ai pas d'amis, mais ça donne un style d'activer son anti-bug. Il y a aussi ceux qui trient leurs amis et qui virent et tout si tu les aides pas et tout. Alpha, on les voit. Hein. Moi, personnellement, je le fais pas, mais j'ai beaucoup d'amis sur mes faits qui le font, je le vois. Mais bon, c'est drôle. Bon, on va mettre un peu en pression les gens. Auto, on va mettre déjà en majuscule. Ah oui, c'est très important. Vous mettez en majuscule, vous mettez auto, s'il vous plaît. Je vire. Aidez-moi. Et ça, ça va mettre en pression les gens, voilà. Là, ils vont tous vous aider. Là, je parie que j'ai eu je ne sais combien d'auto. On va... Ah bah merde, il n'y a même pas le truc pour les autos. Ok, mais c'est même pas. Super. Alors, il y en a, mais genre, c'est... Oh, ils se croient vraiment au marché. Au marché du dimanche. Dans le souk, dans tout ce que vous voulez. Ils se croient au marché, le gars, genre, vraiment. Bon, moi, j'en ai marre du célibat. J'en ai marre, j'ai pas d'amis, je suis seule au monde. Donc, on va tout simplement mettre un truc. Cherche mec, posez vos CV. Voilà, donc... j'espère qu'ils vont tous poser leur CV. Et je cherche aussi des baisses. Donc voilà, ici c'est le marché. Celui qui chante dans ses statues quand il sait pas quoi mettre comme statue, ça c'est trop moi, genre vraiment. Bon alors, quand vous ne savez pas quoi mettre dans votre statue, on va tout simplement mettre Bad, Bad Boy. Et toutes tes copines sont des Bad. Bad boy. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, si elle vous a plu, likez et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je voulais aussi vous dire merci pour les 4000 abonnés, c'est énorme. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!